Bienvenue sur le podcast Le français avec Yasmine. Je suis Yasmine Le Cire, professeure rebelle de français langue étrangère et fondatrice de l'école Island French. Une école qui offre des cours de français pour adultes dans le monde entier. Avec Le français avec Yasmine, je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. Dans cet épisode, je te parle de l'expression chin-chin que tu as déjà entendue lors de soirées au dîner avec des francophones. Chaque moment social autour d'un verre ne commence jamais sans trinquer. Santé. Selon le dictionnaire Le Robert, trinquer est le fait de choquer son verre contre celui d'un autre et boire à sa santé. Ce petit geste s'accompagne souvent de l'expression chin-chin ou santé et il marque le début d'un moment de convivialité. On le fait avec notre premier verre de vin ou de bière et si tu bois un verre avec des francophones, tu n'échapperas jamais à ce fameux chin-chin. Pourquoi dit-on chin-chin? Première info, chin-chin n'est pas un mot français. Cette expression proviendrait plus précisément du pidgin et qui se traduit comme « je vous en prie ». Cette formule était utilisée pour inviter une personne à boire. Lorsqu'on est invité à déjeuner ou à dîner chez quelqu'un, lorsqu'on est servi, il faut impérativement attendre que la personne qui a préparé le repas ou invité soit assise à table devant son assiette avant de commencer à manger. Au restaurant, on attend que toutes les personnes aient leur plat devant elles pour commencer à manger. Avec chin-chin, c'est un peu le même principe mais avec une boisson. On attend que tout le monde soit servi et on attend un signal pour commencer à boire. Chin, voilà, c'est bien. Maintenant, tu bois. Avec les explorations et les voyages, les soldats de la campagne de Chine, Chin Chin serait arrivé en France au XXe siècle. Comme par hasard, le bruit des verres qui se cognent quand on fait Ching Ching est similaire. On fera attention au Japon à ne pas utiliser cette expression car cela apparemment signifie pénis. Et ce serait quand même mal vu de dire pénis-pénis ou bit-bit lorsqu'on veut trinquer, n'est-ce pas? Pourquoi cogner nos verres, justement? Trinquer en cognant les verres est une habitude qui remonte au Moyen-Âge. À l'époque, les empoisonnements étaient fréquents, surtout entre compagnons de boissons. Alors, bonne santé, les deux! Que fait ce clochard ici? Pour s'assurer que la boisson servie ne contenait pas de poison, il fallait entrechoquer les verres afin qu'une goutte de chaque liquide passe d'un verre à l'autre. Ensuite, il fallait se regarder dans les yeux en buvant. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, lorsqu'on trinque, il faut absolument regarder dans les yeux. En France, si tu ne regardes pas dans les yeux, les gens se vexent, certains disent même que ça apporte 7 ans de malheur ou 7 ans de vie sexuelle malheureuse. Faisons la fête! Faisons la fête! Santé à tous! Maintenant, c'est à toi de jouer. Rendez-vous dans ton espace membre pour continuer cette conversation. Quelle est l'expression que tu dis dans ton pays quand tu commences à boire? Est-ce que tu as l'équivalent de chin-chin dans ton pays? Santé et chin-chin! Tu veux continuer cette conversation avec moi? Je te donne rendez-vous sur le site de l'école islandfrench.eu. À bientôt!